renseignements qu'on peut avoir dans le rapport de France Stratégie sur les transitions professionnelles, c'est que la façon dont cet objet s'est structuré en tant qu'objet institutionnel, on va dire, se retrouve aujourd'hui bousculé par la façon qu'ont les individus de se représenter et de construire leur parcours de transition. Quand on pense transition professionnelle, on peut avoir le chiffre en tête à peu près de un quart des individus qui auraient connu au cours des 4 dernières années une transition professionnelle. Et c'est à mettre au regard du nombre de transitions professionnelles accompagnées qui se situe, si je cite la ministre, à environ 60 000. Il est d'abord important de penser aux intérêts et aux aspirations des individus. La transition professionnelle reste encore profondément attachée à l'initiative individuelle et de ce fait, il est important de pouvoir concevoir un accompagnement que nous voudrions universel et qui puisse permettre à chacun d'augmenter sa capacité à s'engager dans un projet de transition professionnelle. Et de ce fait, nous préconisons plutôt une centralisation autour du CEP et un renforcement de sa centralité institutionnelle. Alors, aujourd'hui, les transitions professionnelles relève d'une initiative individuelle avant tout. C'est vrai qu'on pourrait envisager d'aller vers une co-construction, ce serait quelque chose qui serait tout à fait possible de déployer, notamment par exemple à travers des mécanismes d'abondement de la part de l'entreprise et d'une co-construction, si tant est que ce soit possible. Je pense que le mot d'ordre et que tout le monde a aujourd'hui en tête, c'est le mot de la simplification. Et du coup, on a vraiment cette idée de lisibilité des dispositifs, essayer de limiter aussi la segmentation des dispositifs et de l'accès aux dispositifs en fonction des statuts, et du coup, d'aller vers plus de lisibilité pour les individus et pour les entreprises.